Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue sur Afrique Femmes pour cette interview. Bintou Mariam Traoré est journaliste. Elle est également chargée de communication de la Ligue ivoirienne des droits de la femme, militante féministe à l'origine de l'hashtag Vraie Femme Africaine. Avec elle, nous parlerons aujourd'hui de l'état des lieux de la situation de la femme ivoirienne en particulier et de la femme africaine en général. Bonjour Bintou. Bonjour. Alors, le féminisme en Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'état des lieux. L'état des lieux du féminisme en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est déjà le renouveau du féminisme. Il y a déjà reconnaître ce qui a déjà été fait. On commence maintenant à remettre certaines pionnières comme Madame Constance Yahi, Madame Rachel Gougoua. On commence déjà à reconnaître le travail de celles qui sont avant. Et on fait aussi l'état des lieux de tout ce qui ne va pas dans la société actuelle. C'est-à-dire sortir les chiffres, voir tout ce qui ne va pas dans la société en général et dans tout le système qui est soit judiciaire, éducatif, etc. Selon vous, qu'est-ce qui ne va pas justement? Il ne va pas le fait qu'il y a une impunité qui ne dit pas son nom, en fait. C'est-à-dire, on sait qu'on a beaucoup de textes, de tout ce qu'il faut pour les droits des femmes, les femmes comme citoyennes de la société, mais ce n'est pas appliqué. On entend beaucoup, oui, il faut que les femmes fassent ceci, il faut que les femmes fassent cela, il faut que les femmes partent, il faut que les femmes prennent les devants. Mais on voit effectivement que quand tu essaies de poser l'acte ou de t'en sortir, il y a beaucoup de personnes, peut-être même une majeure partie de la société qui ne veut pas que tu poses l'acte, qui ne veut pas que tu essaies de t'en sortir. On dira que t'es une femme méchante, t'es une femme mauvaise, le cœur d'une femme, c'est pas comme ça. Donc concrètement, il ne va pas le fait qu'il n'y a pas, on ne supporte pas l'action des femmes. Mon objectif, c'est de mettre la Côte d'Ivoire sur la carte du féminisme. La déclaration est de vous. Aujourd'hui, avec les actions de la Ligue, quel bilan pouvez-vous faire de tout ce que vous avez fait comme action, justement? Effectivement, j'ai dit que c'était mon objectif de mettre la Côte d'Ivoire sur la carte du féminisme, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est la Ligue ivoirienne des droits des femmes et toutes les féministes qui ont mis la Côte d'Ivoire vraiment sur la carte du féminisme international. Déjà, la Ligue ivoirienne des droits des femmes, c'est une association féministe qui a été créée un réseau féministe créé en 2019 par des jeunes femmes ivoiriennes pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Depuis 2019, on a pris en charge minimum plus de 250 femmes au niveau juridique, au niveau économique, au niveau social. On organise beaucoup d'activités, on organise des distributions de serviettes périodiques, on procure des conseils juridiques, on fait des dons à des mères en situation difficile, on finance des scolarité, on fait vraiment tout ce qu'il faut pour que les femmes, selon notre slogan, pour qu'elles ne soient plus jamais seules. Le 26 février 2020, vous avez lancé le hashtag Vraie Femme Africaine. Aujourd'hui, quel impact ce hashtag a eu donc, dans le cadre de la lutte que vous menez? Je pense que ce hashtag-là, ce n'était pas le mien. C'était plus le hashtag de beaucoup de la majorité des femmes d'Afrique francophone sur Internet, sur la toile. Je pense qu'après ça, il y a eu la création justement de plusieurs initiatives. Déjà, la Ligue ivoirienne des droits des femmes. On a plusieurs associations. On a une Ligue ivoirienne, une Ligue béninoise des droits des femmes. On a une Ligue tchadienne des droits des femmes. Et on a une Ligue aussi malienne des droits des femmes. On essaie encore de s'étendre. Après ce hashtag, j'ai remarqué une prise de conscience. C'est la création de beaucoup d'associations de droits des femmes et féministes en Afrique francophone. C'est vrai que vous avez évoqué déjà la question, mais quelles sont les formes de soutien que vous apportez justement aux femmes violentées? Déjà, il y a déjà le premier soutien, ce qu'elles ne connaissent pas tout le temps, le soutien juridique. Je pense que pour céder son droit, il faut déjà connaître le droit. Donc, on leur apprend déjà qu'est-ce que le droit. Après ça, tout ce qui est procédure administrative, etc., pour pouvoir porter la plainte, etc., ça aussi, on l'offre, ça part d'un avocat. Ça part aussi au financement aussi de certains frais administratifs. On a par exemple aussi un document par exemple dont on parle ces derniers temps, alors que la Ligue a fait un plaidoyer dessus depuis mars 2021. Il s'agit du certificat médical en cas de viol qui n'est plus forcément obligatoire. Ce certificat médical-là, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui que les gens découvrent ça. La Ligue ivoirienne des droits des femmes est sur le dossier depuis très 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 longtemps. Et qu'est-ce qu'il en est? Et surtout, pour le moment, normalement, avant c'était obligatoire. Selon les informations que j'ai reçues, mais j'ai appris ces derniers temps qu'il n'est plus trop, il n'est plus obligatoire. Mais à part ça, il peut avoir des situations où on le demanderait à certaines femmes. Dans un pays, sachant que le SMIC est à 60 000 francs, demander à une femme victime de viol de payer un certificat médical pour le prouver de 50 000 francs, je pense que c'est quand même difficile. Il y a aussi le soutien aussi psychologique. On a des psychologues, on a des personnes qui peuvent aider ces femmes-là, qui peuvent leur parler. Alors, selon vous, que doit-on faire concrètement, par exemple au niveau de l'État, pour promouvoir et faire respecter les droits des femmes et des filles en Côte d'Ivoire? Déjà, il faut appliquer les peines qui sont prévues dans la loi ivoirienne par rapport aux violences faites aux femmes. Parce que ça, c'est quand même la base.
Mais je dis que tout être humain, que je crois que dans la constitution de Côte d'Ivoire, l'article 4, si je ne me trompe pas, précise que tous les êtres humains, hommes, femmes, sans distinction de race, de genre, etc., sont égaux devant la loi. Donc ça voudrait dire qu'on doit appliquer les droits que chaque personne, homme ou femme, a dans la société. Après, bien sûr, on a évidemment la sensibilisation. Il faut un changement de mentalité. La perception même qu'on a de la femme, la perception même qu'on a du féminin, on a encore des livres scolaires, on a fait un boom quand même. Je pense que la perception qu'on a aujourd'hui, la femme ivoirienne est devenue une femme plurielle. Ce n'est plus la femme qui est cantonnée à certaines choses. Il faut vraiment une prise de conscience collective, de la sensibilisation aussi, de l'éducation. Alors, seulement très peu de femmes victimes de violences conjugales portent plainte. Comment faire pour briser donc les tabous qui entourent les violences contre les femmes? D'abord, il faut déjà qu'on essaie déjà de prendre leur plainte, déjà. Parce que c'est compliqué quand tu. Déjà, on dit que beaucoup n'ont pas la force de porter plainte. Mais on a eu des cas où énormément sont même allés jusqu'au bout. Soit là-bas, on a refusé de prendre leur plainte, soit le dossier s'est perdu dans les dossiers là-bas. Au final, on sait plus trop. Donc, il faut que les femmes aient confiance déjà en nos forces de l'ordre parce qu'elles sont aussi là pour. Les femmes font partie de la société. Les femmes payent des impôts. Les femmes travaillent. Donc, normalement, les femmes devraient être protégées aussi par l'État. Quand on parle de violences faites aux femmes, on parle également de la question du genre. Aujourd'hui, en tant que membre de la Ligue, est-ce que vous pensez que la question du genre a un bon niveau en Côte d'Ivoire? Je pense que ça commence à s'ouvrir, surtout par rapport aux problématiques nouvelles, vu que nous sommes dans une époque de digitalisation. On parle maintenant aussi de féminisme 2.0. On essaie de plus en plus d'inclure les femmes. Je crois que la Ligue a donné souvent des formations dans certaines entreprises de Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que l'essentiel ce soit de se reposer sur ses lauriers. L'essentiel de se dire que quand on remarque qu'on a un problème ou on n'est pas assez formé sur la question du genre aujourd'hui, on voit que le monde est en pleine expansion et que les femmes font évoluer plein de choses, les femmes sont dans tous les secteurs d'activité. On peut essayer de se remettre à niveau et je pense que la question du genre aujourd'hui en Côte d'Ivoire est en bonne voie. Alors, bientôt, Mariam, vous êtes sur Afrique Femmes. Est-ce que vous avez un message justement pour toutes ces femmes qui vous suivent en ce moment, pour celles qui souhaiteraient par exemple rejoindre la ligne pour mener le combat avec vous? Je voudrais juste dire que en tant que femme, c'est à nous de porter vraiment bon, je dirais pas le fardeau, le flambeau de ce qu'on veut. Il en va de nous, mais il ne s'agit pas que de nous. Je pense qu'avant nous, on a eu des femmes qui ont fait des choses qui n'étaient pas forcément féministes. Aujourd'hui, on a des féministes, on a des non-féministes. Le plus important, c'est de se rendre compte de l'urgence de la question des droits des femmes en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone. Et aussi que les actes que nous sommes en train de poser maintenant, ce ne sera pas seulement pour nous. Ce sera aussi le futur de plusieurs jeunes filles demain, vos nièces, vos filles, vos sœurs. Je crois que selon un rapport de la Banque mondiale qui dit, et si l'émergence était une femme, la Côte d'Ivoire gagnerait énormément de milliards si on réduisait les inégalités. Et l'Afrique même en général, le monde avance. Si l'Afrique veut se mettre à niveau, l'Afrique a intérêt à compter sur les femmes pour qu'on puisse aller vraiment vers un essor du continent. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Bintou Mariam Traoré, journaliste de formation chargée de communication de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, avec elle nous avons bien entendu parler de l'état des lieux de la situation de la femme ivoirienne en particulier et de la femme africaine en général.